Le roi de la comédie peut préparer son smoking. Alors que les nominations de la 43e cérémonie des Césars ont été dévoilées le 31 janvier, Danny Boone sait déjà qu'il va obtenir un trophée. Le maître de cérémonie des Césars 2018, Manu Payet, a en effet révélé la création d'un nouveau prix nommé le César du public. J'annonce la création d'un nouveau César, qui récompensera le film ayant fait le plus d'entrées dans l'année, a annoncé l'acteur et humoriste. Et les chiffres sont sans appel. Le film Red Dingue de Monsieur Boone est arrivé en tête du box-office l'an dernier, avec plus de 4,5 millions d'entrées. Le célèbre Chutty va donc écrire avec les Césars une belle histoire d'amour, qui n'avait pourtant pas très bien commencé. En 2009, l'artiste avait ouvertement regretté que son carton Bienvenue chez les Ch'tis ne soit pas nommé. Depuis, la place de la comédie dans la compétition a régulièrement fait l'objet de débats. Les films populaires ont-ils leur place au César ? Manifestement, cette année, le sens de la fête du duo, à qui l'on doit intouchable, n'a pas été oublié avec des citations, preuve que le genre n'est pas snobé. Mais un carton est-il synonyme de qualité? Et par là de récompense? Les Césars du cinéma ont listé les comédies qui ont fait le plus d'entrées ces dernières années, laissant à chacun le soin de réfléchir à cette question.